l'autoroute, l'infotrafic, Thibaut Texel. Et on va tout de suite partir sur l'autoroute A11, où il y a toujours cet animal, ce chevreuil qui se promène aux abords du kilomètre 196 entre la sortie 9, le Mont-Sud et la sortie 10, Sablé la Flèche. Soyez attentifs, vous roulez en direction du Mont ou bien de Angers. On reste dans les Pays de la Loire, où un obstacle nous est toujours signalé au kilomètre 212 sur la 81. Vous roulez depuis la Bretagne et Rennes en direction du Mont. À cet appel à la sortie 2, pourrez-vous des débris en fer sont présents sur les voies. Les équipes de sécurité se rendent sur place sur la 85, l'axe Tourvierzon. C'est un autre obstacle, un panneau qui se trouve sur les voies au kilomètre 104 dans la région Tour. Pour vous qui roulez actuellement en direction de Vierzon, c'est juste après un échangeur entre cette autoroute A10, pardon, que vous quittez pour prendre la 85 en direction de Vierzon. Soyez attentifs à ce niveau-là. Et puis, une toute dernière information, elle concerne un véhicule arrêté dans la bretelle de sortie 19 pour Monet. Une fois que vous êtes sur l'autoroute A10, c'est au kilomètre 200 véhicules dans cette bretelle de sortie. Et puis, une toute dernière information qui vient de nous parvenir, au kilomètre 129, on repart sur la 85, mais cette fois, pour vous qui roulez depuis Vierzon en direction de l'autoroute, vous êtes au kilomètre 129, je viens de vous dire. C'est juste après la sortie 12 Saint-Aignan-sur-Cher, panneau. On n'est pas obligé.